Elle soulève des débats passionnés en milieu catholique. Alors comment y voir plus clair dans la liturgie? La fonction de la liturgie est centrale. Elle est en effet au croisement d'éléments essentiels. Elle unit l'espace et le temps, les mouvements des célébrants et des participants, et de nombreux objets plus ou moins sacrés. Elle rassemble la communauté, puis la disperse. Tout cela est mis en relation avec Dieu par l'écoute de sa parole, la louange et l'intercession. La liturgie a pour fonction de relier. Elle nous introduit dans la maison de Dieu pour le contempler et recevoir sa vie, tout en nous accueillant avec les événements de nos vies, nos richesses et nos misères. Selon les époques et les cultures, la liturgie peut varier, mais elle célèbre toujours et partout la Pâque du Christ Sauveur. En faisant mémoire, elle sanctifie notre présent. Elle est un reflet de la louange de la création terrestre et céleste. Qu'il s'agisse de la prière des heures, des sacrements et surtout de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la divine liturgie n'en reste pas moins incarné. Elle permet que tout ce qui fait notre vie soit repris par la grâce de l'Esprit-Saint et soit offert avec le Christ. Elle nous apprend à intercéder pour le monde et elle nous y envoie en mission. Ite missa est.